Dans cette vidéo, on va voir comment configurer une liaison par câble Ethernet RJ45 entre l'ASIR et un PC Windows. Le mode opératoire sera le suivant. Donc, en premier, on va relier l'ASIR et le PC avec un câble Ethernet classique RJ45. Ensuite, on ira dans l'ASIR pour obtenir l'adresse Ethernet. Et enfin, sur le PC, on va configurer sa carte Ethernet pour que cela fonctionne. Alors, étape 1, on va allumer l'ASIR et le PC. L'étape 2, on va lancer, comme d'habitude, l'application ASIR sur une tablette ou un smartphone, en utilisant le Wi-Fi de l'ASIR. Pour lancer l'application, on peut aussi utiliser BlueStacks 5 si vous l'avez installé sur le PC. Étape 3, maintenant qu'on est dans l'interface de l'ASIR, on va sous la rubrique Wi-Fi, avec l'icône Wi-Fi, et là on va noter l'adresse IP qui se trouve dans la rubrique Wired Ethernet. Donc c'est cette adresse qui va nous servir pour configurer le PC. Étape 4, on va maintenant sur le PC. Et là, on va à étape 5, on fait un essai d'accès à l'ASIR pour vérifier si tout est bien paramétré. Donc, dans le gestionnaire de fichiers, dans la rubrique réseau, on saisit l'adresse précédemment obtenue. Donc, ici, je vais saisir 169.254.246.95. Si cela fonctionne, que les répertoires apparaissent, alors la carte Ethernet est bien paramétrée. Sinon, on va paramétrer la carte Ethernet du PC. Sur le PC, on ouvre donc le panneau paramètres classique et on se positionne sur la rubrique réseau et Ethernet, puis on choisit l'option Ethernet. On fait modifier les paramètres IP et une fenêtre s'affiche. Donc, dans cette fenêtre qui s'affiche, on modifie les paramètres de DHPC en manuel, on va activer l'option IPv4 et on saisit une adresse IP ayant la même racine que l'adresse Ethernet obtenue dans l'ASIR. C'est-à-dire, dans mon cas, commençant par 169.254.246. Donc là, je choisis tout simplement le numéro à suivre, donc je choisis une nouvelle IP en saisissant comme dernier chiffre 96. Important, le masque de sous-réseau doit être 255.255.0.0. Donc, étape 7, ben maintenant je reviens sur le gestionnaire de fichiers et je ressaisis la même adresse que tout à l'heure, terminant par 95, qui est l'adresse Ethernet de l'ASIR. Et dans ce cas, si je fais entrer, cette fois, cela fonctionne, ma carte Ethernet est bien configurée et les répertoires de l'ASIR s'affichent. Donc, quelques remarques. Donc, le PC relié par la carte Ethernet à l'ASIR peut lui-même être, relié en Wi-Fi avec la box locale. Dans ce cas, ce qui se passe, c'est que l'ASIR va automatiquement se connecter en mode station grâce au Wi-Fi du PC. Alors, on peut utiliser l'application BlueStack sur le PC et au travers de BlueStack 5, donc lancer l'application ASIR. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans ce cas, lorsque l'application ASIR se lance, il va essayer de se connecter donc à l'ASIR et il va trouver une liaison Wi-Fi au travers de la liaison RJ45 et il va automatiquement se connecter en mode station. Maintenant, faisons l'expérience si on désactive le Wi-Fi du PC. Bon, le PC n'est plus relié à Internet. Dans ce cas, l'ASIR, lui, ne pourra pas se connecter en mode station. Donc, dans ce cas, l'application ASIR qui s'exécute sur BlueStack utilise uniquement la liaison RJ45 entre l'ASIR
et le PC. Maintenant, on va voir tout ça en image. J'ai allumé le PC, l'AZR et je les ai reliés avec mon câble Ethernet. Et donc maintenant, ce que je vais faire, je vais aller sur l'application de l'AZR. Et auparavant, je vais me connecter sur le Wi-Fi de l'AZR. Donc là, c'est fait, il est connecté et je vais donc lancer l'application AZR. Voilà. Et une fois que l'application est lancée, voilà, donc là, il a déterminé évidemment automatiquement que le Wi-Fi était OK. Et là, je vois ici, voilà, l'adresse en fait Wired Ethernet qui correspond donc à l'adresse qu'a affecté l'AZR à la liaison Ethernet. Maintenant, je passe sur le PC et là, je vais aller voir un peu l'état de mon réseau. Donc si je clique sur réseau, je ne vois pas l'AZR. Donc je vais voir déjà au niveau du panneau de configuration, si je me mets sur centre et réseau et que je vais voir les paramètres de la carte, je vois qu'ici l'Ethernet n'est pas configuré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais configurer ma carte Ethernet avec pour me connecter en fait au réseau de l'AZR. Donc ici je choisis donc la partie l'option Ethernet, réseau Internet et Ethernet. Ici voilà, tac, je clique ici et là je vais modifier en fait les paramètres IP. Donc je choisis le mode manuel, j'active IPv4 et ici je vais saisir en fait une adresse IP qui a la même racine que l'adresse IP que m'a fourni l'AZR. Donc je vais mettre par exemple 96 alors que c'était 95 pour l'AZR. Et ici important, je saisis le masque de sous-réseau, c'est donc 255.255 et attention c'est 0.0. J'enregistre et maintenant j'ai donc affecté à ma carte Ethernet une adresse IP dans le même réseau que l'AZR. Donc je peux revenir ici sur le gestionnaire de fichiers. Je vais vérifier quand même sur les paramètres de ma carte qu'il m'a bien pris en compte. Ici voilà Ethernet, je fais propriété et là je vais choisir IP4 ici propriété et là je vérifie qu'en effet il a bien pris en compte mon adresse IP. Donc ici oui, attention, il faut que le partage soit assuré au niveau des fichiers et des utilisateurs. Donc là je sors du panneau de configuration et ce que je vais faire, je vais cette fois maintenant saisir en fait l'adresse de l'AZR. Donc ici je l'avais déjà sauvegardé, voilà, donc je clique ici et là en effet il accède bien au répertoire de l'AZR. Donc on peut voir que je peux zoomer, que je peux naviguer au travers des répertoires de l'AZR. Donc maintenant on va essayer de voir comment ça peut fonctionner au travers de BlueStack. Donc là je vais lancer donc le BlueStack 5 qui est déjà installé sur mon PC et à partir de cette application, qui est donc un simulateur d'Android sur PC, je vais lancer l'application AZR. Et on va voir comment il réagit. Donc ici, je lance l'application. Je fais Enter Device. Et ici, il va essayer de se connecter. Donc on va voir qu'en fait, mon PC étant relié au Wi-Fi de ma box, eh ben, l'AZR en fait va utiliser cette connexion pour se connecter, je dirais en mode station, automatiquement
au travers donc de la liaison Ethernet, il va se connecter en mode station à mon Wi-Fi local. Donc c'est ici, c'est ce qu'on voit ici. On voit bien qu'il y a le nom de ma Livebox qui est, je dirais, affiché, indiquant qu'il s'est bien connecté au travers du mode station. Et ici, je vois que je peux accéder donc à mes répertoires sur l'ASIR sans aucun problème. Et maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va, je vais déconnecter le Wi-Fi de mon PC. Donc là, je l'ai déconnecté. Et ce qui va se passer, c'est que l'ASIR, en fait, va essayer de maintenir la connexion. Mais cette fois, si l'on voit, si on revient donc sur les paramètres de connexion, on voit qu'il n'est plus en mode station, que le mode station est off. Donc cela veut dire que, en effet, il se connecte uniquement au travers du câble Ethernet entre le PC et l'ASIR. Et on voit que j'accède bien à mes répertoires et à toutes mes fonctions de l'ASIR. Maintenant, je vais réactiver le Wi-Fi sur mon PC. Là, je vois que l'ASIR se déconnecte, en fait, parce qu'en effet, il a vu un changement, et donc il va essayer de se reconnecter en mode automatique et en mode station. Donc, si je regarde ici, donc il est toujours off pour l'instant, parce qu'il essaie donc une reconnexion. Si je vais dans les paramètres, en fait, de la station, voilà, ici je vois qu'il s'est remis en mode station mode et qu'il essaie ici de se reconnecter à ma box locale en Wi-Fi. Donc vous allez voir, voilà, il est en train de faire l'authentification et il est connecté de nouveau avec en station mode avec mon Wi-Fi. Donc voilà les possibilités au travers de BlueStack en utilisant un câble Ethernet. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à bientôt.